Vieux sorcier Konkubayao, mais qu'est-ce que tu fabriques là dans ta case? Un rituel d'envoûtement. Vous connaissez l'étudiant Koffi Kwaku, n'est-ce pas? Eh bien, quand il est venu au village pour les vacances, il ne m'a même pas salué, ni encore apporté du vin de palme. Je dois le punir. Ah. Et comme tu es notre chef sorcier, tu as besoin de notre aide pour l'approcher, c'est ça? Oui, ramenez-moi une de ses chemises. Il va payer son arrogance par un envoûtement. Maintenant que j'ai eu un objet à lui, je vais pénétrer dans ses rêves. Jeune homme, tenez, je vous offre cette chemise africaine pour vous souhaiter un bon séjour dans le village. Merci, vieux Konkubayao. Cette chemise me va comme un gant. Mais ce n'est qu'un cadeau. À bientôt, Kofi. On se retrouvera au réveil. Je me réveille d'un rêve bizarre. Mais cette chemise que je porte n'est pas à moi. C'est la même que celle du rêve. Elle me serre subitement la poitrine. J'ai du mal à respirer. Je dois l'arracher, cette chemise, mais je n'y arrive pas. Et voilà. C'est ainsi que l'étudiant Koffi Kwaku devint fou. Il vagabonde depuis des années sur le campus en portant toujours la même chemise qu'il essaye d'enlever sans succès. Lorsque vous allez au village, respectez la tradition et surtout les anciens comme Konkubayao.